Mal. La guerre nous fait souffrir. Nous voulons dire que cette année, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, nous...
revendiquer notre sol, pas une partie du sol congolais, mais l'entièreté du sol congolais, l'entièreté du territoire congolais qui revient aux Congolais que nous sommes, soit aux Congolaises que nous sommes. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix sans autre forme, rien que la paix, et c'est sur tout le territoire congolais. En ce jour, nous sommes décidés d'accompagner le gouvernement, dont le président de la République démocratique du Congo, président Fatih Béton. Nous accompagnons toutes les FARDC, nous accompagnons les victimes de génocide, les victimes des massacres que subit la partie est de notre beau pays, la RDC. Nous comptons recevoir de la communauté internationale. Nous comptons recevoir une solution urgente. Ça n'est de trop. Ça n'est de trop. Les vies humaines appartiennent à Dieu. Les vies humaines n'appartiennent pas à un groupe d'individus. Qu'on puisse laisser les Congolais vivre paisiblement sur leur sol. Ce sol, nous l'avons de Dieu, nous ne l'avons pas demandé. Nous l'avons hérité de Dieu. Ce qui m'a fait le massacre et génocide, il y a Congolais, Nini, Tolembi, trop c'est trop, 15 millions de morts. On nous tient à ciel ouvert, tout le monde les voit, personne ne dit rien. Il y a moi, maman, Tolembi, trop c'est trop. Nous revendiquons la paix. La paix, la justice pour notre pays. Nous voulons que tout le monde remarque, tout le monde nous donne vraiment, nous mette à notre place. La justice, les Nations Unies, toutes les nations, la communauté internationale reconnaissent l'indépendance du Congo total, toute la partie est et ouest du Congo. Notre carte telle qu'elle a toujours été bien dessinée, nous la voulons telle qu'elle est. Nous revendiquons la paix, la justice et que les morts s'arrêtent. Alors qu'on arrête de tuer au Congo. Ah oui, c'est la lutte libère par nous taire. On s'est tué depuis longtemps, mais on n'a pas trouvé de solution. Il y a eu des accords, mais toujours pas de solution. Mais cette fois-ci, nous sommes levés. Nous devons revendiquer. C'est la lutte libère, nous l'avons compris. Ouais, je m'appelle Mama Aïcha et puis je viens aussi de l'Est. J'ai vraiment mis raison d'être là et de combattre. Vous êtes victime? Oui, je suis victime. Toute ma famille est là, elle est prise en otage. Donc, les Nord qui vous ne la voulons telle qu'elle était, Beni, Lubero, Rutshuru, Nyiragongo, Masisi, Walikale, Goma, telle qu'elle a toujours été, tout entière, nous la voulons entière avec tous ces territoires. C'est ça. On revendique pour le génocide des victimes de nos frères à l'est du pays. On en a marre, depuis qu'on est né, on a entendu parler de ça. Maintenant, on veut que ça s'arrête. Le président, quand bien même, il fait beaucoup d'efforts pour l'arrêter, mais on le veut parce qu'on est fatigué. Nos richesses restent à nous pour la démocratie du Congo. Ça ne peut pas traverser. On connaît pourquoi cette guerre-là existe. On va le vaincre. Justement parce que la communauté internationale n'est dit mot, on sait. Mais il y aura sûr. On veut parce qu'on sait. On est des étudiants, on est l'avenir de demain, on ne marche pas pour rien. Et qu'est-ce que vous, en tant que président de la communauté étudiante, qu'est-ce que vous demandez pour vous, quelle sanction pour vous? Il n'y a pas de... Longtemps, moi, avant que je naisse, longtemps, on m'a parlé de cette guerre, je l'ai trouvée. On a été dans toutes sortes de négociations, mais ça ne va pas marcher. Cette fois-ci, on ne veut pas. On veut que le président donne à notre armée, parce que nous estimons qu'elle est plus forte. Exactement. Nous estimons que notre armée est plus forte que celle de Rwanda. Si on s'engage à aller avec eux en guerre, on va gagner. Ça, c'est sûr. Béki Itoufa, président de la Haute École de Commerce. Merci. On en a marre de vous. Quittez notre pays. Oh, pour la MONUSCO. Merci.
appeler les femmes, mais vous, en tant qu'homme, la vie sur la rue, vous revendiquez. Qu'est-ce que vous revendiquez? Et parce que je suis un homme genré, j'ai accompagné les femmes. Vous savez, quand il y a la guerre, ce sont les femmes qui sont victimes. Nos jeunes sœurs, nos jeunes mamans, victimes. Nous sommes venus accompagner les mamans. Sous le leadership de son Excellence Madame Mireille Massangoubi Bumloko, ministre des gens, famille et enfants. Et voilà, tous les hommes ont dit, nous ne pouvons pas laisser les femmes seules. Nous sommes là, comme les responsables de la famille, pour accompagner les femmes, pour dire non à cette guerre injuste imposée par les génocidaires rwandais, Paul Kagame, pour ne pas les citer. Nous voulons la paix, rien que la paix. Quand il y a la guerre, c'est la famille qui est déstabilisée. La famille est déstabilisée. Nous, comme Madame la ministre a dit, non, elle ne peut pas lancer les activités du mois de la femme sans pourtant faire un geste de solidarité envers nos compatriotes de l'Est qui souffrent par cette guerre injuste imposée par les Rwandais. Nous voulons que la communauté internationale dise un mot. C'est vous comme ça, il y aura des solutions urgentes. Oui, c'est une expression pour exprimer notre mécontentement face à ce silence complice de la communauté internationale et que quand ils verront que les mamans disent non à ce silence, ils trouveront des solutions immédiates. Il suffit que la communauté internationale, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Union européenne imposent à Paul Kagame, non, vous devez laisser de tuer des victimes congolaises. Ça fait plus de 20 ans. Pourquoi ça? Nous ne voulons plus voir ça. Nous interpellons la communauté internationale pour qu'ils agissent en faveur de l'RDC. Si c'est le minerai qu'ils veulent, le minerai appartient à l'RDC. Qu'ils viennent, on va négocier avec les chefs de l'État pour qu'ils trouvent le minerai justement à l'RDC. Voilà, merci.
Bon, la seule phrase, c'est que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de cette guerre nous imposée injustement. Ça fait plus de 25 ans que nous réclamons la même chose. Le départ du Rwanda à travers le M3 de notre territoire. Rien n'y fait. Mais tous les jours, c'est une comptabilité macabre que nous faisons. Alors, nous avons conclu que le Rwanda n'est pas seul. Et il y a aussi des preuves matérielles que toute la communauté internationale est derrière le Rwanda. Vous voyez vous-même comment ils font à l'Ukraine. Ils envoient des armées, ils font des conférences à gauche et à droite. Et pour la RDC, ils ne font rien. Donc nous sommes fatigués. Nous avons marché pour démontrer notre ras-le-bol de cette situation. Vous pensez qu'à marcher, il y aura des solutions d'urgence ? Je pense aussi. En marchant, nous voulons plus pousser nos autorités à réagir. Parce que nous ne pouvons plus compter sur les bonnes intentions. Les gens disent qu'ils sont à nos côtés. Mais dans l'ombre, ils fournissent des armes au M23. Croyez-vous vraiment qu'un mouvement comme le M23 est capable d'avoir des avions de chasse, des bombardiers, des armes sophistiquées? Mais non! Ce sont les Occidentaux qui les fournissent en armes. Donc nos autorités, nous voulons vraiment demander à nos autorités d'agir. Parce qu'à ce rythme, le pays va partir. Tuerie, la violence, agression, et ça na l'est du pays. De te que ça la revendication na Bissau. Bissau Tozali, secrétariat général aux réformes institutionnelles. Alors, tu es qu'on participe pour na pour plaider le doyen Oyo, pour ça la marche Oyo, pour na pas ya bande ko na Bissau, pour na patrie na Bissau. La vie ou la mort, tokoti ka patrie te pe pays na biso ko za la diviséte. Ah ya wana te ko sa la marche ton. Oyo baza ba mama ya réforme institutionnelle nde to ya ki ko sa la marche. Merci. Et tozali awa na palais de la nation to utaki donc na gare centrale jusqu'au palais de la nation to sali marche wana. Comme on a un point focal, Jean Céline, il y a le secrétariat général, Madame Béatrice Bomata. Imaginez que c'est la pauvre comme un mango dans le bureau. Femmes et jeunes filles des institutions publiques, des entreprises publiques et privées, de l'administration publique, des organisations de la société civile, des confessions religieuses, des corporations syndicales et des partis politiques,
ainsi que les hommes engagés dans la masculinité positive, tous mobilisés comme un seul homme sous le leadership du ministère du Genre, Famille et Enfants. Considérant les tueries et les atrocités les primantes dont sont victimes nos compatriotes des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, des suites des guerres injustes et récurrentes non nous imposées par les Rwandais, avec ses complices du M23 qui en réalité planifient les pillages de nos ressources et la balkanisation de la RDC. Touché par l'ampleur du bilan de plus de 12 millions de morts qui s'apparentent à un génocide causé par ces guerres depuis plus de 22 ans, et c'est dans l'indifférence la plus totale de la communauté internationale. Face au silence coupable de la communauté internationale, alors que de l'autre côté de l'Europe orientale, la même communauté se solidarise et se mobilise pour non seulement dénoncer la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine, mais aussi apporte à ces derniers de l'appui logistique, matériel et financier. Soucieux des conditions infrahumaines dans lesquelles vivent nos compatriotes de l'Est, où des familles nombreuses sont en déplacement continuel, des femmes et jeunes filles sont violées, dépouillées de leurs biens et moyens de vivre, de survivre. Des enfants non accompagnés sont abandonnés dans les rues. Conscient du rôle conféré à la femme par la résolution 1325, celui de s'impliquer dans la résolution des conflits et de la recherche de la paix. Avons marché aujourd'hui pour exprimer notre compassion et notre solidarité à l'égard de nos compatriotes de l'Est qui continuent de pleurer les leurs, qui tombent sous les balles de nos ennemis et qui vivent les calvaires des différentes atrocités. Exprimons solennellement notre soutien et notre accompagnement sans nous lasser au président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts qui ne cessent de déplorer, de déployer pour amener la paix, rien que la paix, car l'autonomisation de la femme en dépend. Dénonçons et condamnons la velléité expansionniste du Rwanda pour la mise en œuvre de la théorie des grands remplacements déjà en cours et l'exploitation illicite de nos terres et ressources naturelles. Fustigeons la complicité de la communauté internationale représentée par les USA, la France, la Belgique et les Royaumes-Unis, la Pologne, pour s'être rangée aux côtés de nos oppresseurs et leur politique immorale de soutien à nos agresseurs d'un côté et des réponses humanitaires inopportunes de l'autre côté. Déclarant enfin ce qui suit. Pour la Journée internationale des droits de la femme pour cette année 2024, sera célébrée dans une attitude de deuil pour compatir avec nos compatriotes victimes de toutes ces guerres injustes. À cet effet, cette célébration ne sera pas festive avec les ports du Pagne. Cependant, le port de la tenue noire pendant la célébration est recommandé. Tant qu'il y aura la guerre à l'est du pays, les femmes se lèveront toujours pour marcher, dénoncer et encourager les gouvernements à prendre ses responsabilités pour que la paix règne à travers les pays. Un soutien sans faille à nos forces armées et à la police nationale congolaise
ainsi qu'à nos services de sécurité pour les sacrifices qu'ils consentent en vue de défendre la patrie. Le ministère du Genre, Famille et Enfants a mis en place une commission chargée de collecte des dons en espèces en vue d'adopter une assistance aux femmes et jeunes filles, aux enfants non accompagnés et aux familles déplacées à Goma dans le cadre du mois des droits de la femme. Pour terminer, une descente à Goma en signe de solidarité nationale est prévue en début du mois de mars 2024. Fait à Kinshasa le 14 février 2024 pour les femmes congolaises et les hommes engagés dans la masculinité positive, Madame Mireille Masangu Bibi Muloko, ministre du Genre, Famille et Enfants. Je vous remercie. Maman, zo lukanini, zonga sima. Ah, zonga sima, maman. Moi, c'est Madame Léonie Tupingane. Nous sommes de l'Agence pour la promotion des classes moyennes, APROSEM, sous tutelle du ministère de l'Entrepreneuriat, Petite et Moyenne Entreprise. Vous saviez bien qu'il y a une nouvelle notion dans ces pays, qui n'est pas nouvelle ailleurs, mais ici chez nous c'est une nouvelle notion, la création des classes moyennes. Sous le leadership du président Félix Antoine Tshisekedi, les femmes sont les premières à subir, parce qu'elles sont plus dans les PME, elles sont dans l'entrepreneuriat, et c'est à partir de ces PME qu'on parvient à créer l'emploi. Cet emploi qui fait qu'il y ait une classe moyenne. Mais à cause de la guerre, nous nous posions la question de savoir si nos femmes, nos collègues de l'Est, quand est-ce qu'elles pourront émerger. Donc cette guerre constitue un frein à l'émergence de la classe moyenne congolaise, surtout pour la femme qui est la première victime de la guerre. Notre gouvernement réagit. Notre gouvernement fournit les efforts. Notre gouvernement vraiment est à la hauteur pour sécuriser son peuple. Mais c'est la communauté internationale et le Rwanda qui utilise le Rwanda afin de nous faire la guerre. Ce qui déstabilise nos institutions, ce qui déstabilise l'avancée, voire même les engagements du chef de l'État pour nos sœurs qui sont de l'autre côté. Ce ne sera pas possible que cela vraiment soit visible. Alors que cela s'arrête, que la communauté internationale agisse afin que l'APROSEM, l'Agence pour la promotion des classes moyennes, puisse promouvoir les femmes, puisse promouvoir la classe moyenne des femmes. C'est un message. Et tout commence par la parole. Même le monde a été créé par la parole.